Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Lies of P sur PlayStation 5, édité et développé par Round 8 Studio et NeoWiz, sorti officielle le 19 septembre 2023 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Note plus qu'agréable moyennant 16 sur 20 sur Metacritic. Qu'est-ce que Lies of P? Nous incarnons P, d'où son nom contracté, Pinocchio, les mensonges de Pinocchio, tel est dit dans le titre. C'est un Die and Retry qui vous enverra dans un style vous rappelant étroitement Bloodborne parmi les Soul-like, mais le gameplay en est tout autre, énormément basé sur la parade qui vous rappellera sans nul doute un certain Sekiro. Geppetto, le créateur de marionnettes, exerce sa passion dans la ville de Krat, qui est désormais sous le joug de ses propres marionnettes qui sont devenues hostiles envers l'homme. Vous l'aurez donc compris, Pinocchio va donc devoir redoubler de vigilance et user de la force pour ramener le calme et la paix dans cette ville déshumanisée. Le wagon dans lequel je suis fait office de tuto. Nous sommes enfin devant des armes, comme précédemment dans la bêta, où nous avons le droit entre trois types d'armement. Un sur l'équilibre, un sur la dextérité et l'autre sur la force. Personnellement, durant la bêta, j'avais choisi la dexté, donc on va rester sur cet aspect de rapière. Un peu moins de vie, mais des coups plus rapides et plus incisifs. Le chara-design et le level design n'en sont que plus immersifs. On ne peut être que subjugué par la qualité vidéo que nous propose ce Lies of P. Lock l'adversaire avec la touche R3, R1 pour des coups dits légers, R2 pour des coups plus lourds dits concentrés. Rond pour l'esquive, L1 pour la parade, et il faudra beaucoup plus marteler la touche de parade que celle d'esquive. Dans la bêta et dans la démo de Lies of P, il s'agit exactement de la même run, donc si vous vouliez du gameplay un petit peu novateur, malheureusement je vous conseille donc de passer votre chemin. Si néanmoins vous voulez avoir quand même quelques informations sur le jeu, restez, il y aurait peut-être diverses choses sur lesquelles vous seriez passé malencontreusement sans prêter trop attention. Les Die and Retry, c'est toujours la même rengaine. Vous allez devoir parcourir des niveaux de type plutôt couloir, d'aller d'un point A à un point B pour affronter un ennemi plus puissant vers la fin qui vous léguera un objet qui vous permettra de continuer la suite de votre péripétie. Entre temps, vous allez pouvoir ouvrir des portes, accéder à un déverrouillage d'échelle pour pouvoir débloquer des raccourcis. Car le jeu se veut être Die and Retry. Pour les néophytes en la matière, Die and Retry, dès que vous mourrez, vous recommencez à votre précédent point de passage. Si vous sauvegardez, que vous ramenez votre vie au maximum sur des points de repos, tous les ennemis que vous avez tués au préalable réapparaissent de nouveau et vous devez tout refaire. Il est nécessaire aussi dans ce genre de jeu, de regarder les coins, je vous préviens, et même moi je fais l'erreur. Le jeu fera tout pour vous attaquer de façon assez assez sneaky quand même. Ça vous prend en traître, histoire de vous enlever quelques micro-segments de votre vie, qui elle est matérialisée en haut à gauche par la barre rouge, la barre verte étant l'endurance, et les barres bleues se cumulant pouvant être des barres de capacité. Les trois sont utilisables pour un énorme coup, et là, une seule sur trois peut grandement augmenter ma parade. On poursuit toujours ce couloir tuto,
Si vous apparaissez dans le dos de votre adversaire et qu'il ne vous détecte pas, vous venez de le voir, on peut donc faire un backstab. Ça va être vous poignarder en fait l'adversaire dans le dos et vous lui infligez de gros dégâts dits critiques. Je me disais bien qu'il martelait en bas. Donc ça c'est le gros qu'il va falloir se fracasser pour pouvoir avoir la clé et continuer l'aventure. Donc ce n'est qu'à nous revoir très prochainement. Récupérez tous les consommables si possible. Croyez-moi, s'ils sont au sol, ce n'est pas pour rien. Le jeu de base veut votre mort. Il est très utile de récupérer la plupart des consommables collectibles qui se trouveront visuellement sur votre chemin. Bien entendu, certains sont même placés de façon à ce que vous soyez pris en guet-apens. Et une difficulté croissante sera présente au moment où vous aurez récupéré l'objet. À vous de voir en fonction si vous voulez tenter, jauger de base votre vie, les potions qui vous restent. Faites en sorte de maintenir votre Pinocchio le plus longtemps en vie possible. Jusque-là, vous me direz, je ne vous apprends rien. On va donc débloquer la porte pour avoir le raccourci. Vous le voyez, l'animation elle s'ouvre toute seule. Et voilà le gros monsieur. Et je me rappelle que même dans la bêta, ben, j'avais énormément de mal parce que moi les jeux de type parade, autant l'esquive je peux maîtriser sur les Dark Souls, les Nioh, les Bloodborne, les Demon's Souls, autant Sekiro, j'ai eu énormément de mal. Vous pouvez parer le coup, mais vous le voyez, vous allez perdre de la vie. Si vous faites une parade dite parfaite, hein, vous allez entendre un énorme clink, comme un bruit de métal. Hein. Voilà. Comme la première que vous avez pu entendre. Et en fait, c'est votre endurance qui va descendre et non votre vie. Ce qui est non négligeable. En fait, il faut. Faut étudier le pattern, parfois il tape une fois, parfois deux, parfois trois, c'est... Et comme c'est des automates, ils peuvent carrément faire une rotation à 180 degrés de leur coude ou de leur épaule pour vous donner des coups type uppercut ou type marteau. Ce qui fait qu'ils ont une range plus ou moins conséquente et un délai d'attaque plus ou moins rapide. Quand le liseré blanc au-dessus de la vie apparaît sur l'adversaire, c'est qu'à ce moment-là, quand vous faites un énorme coup bien concentré, vous pouvez le mettre en stun, vous pouvez le faire comater et lui donner un coup énorme, très très critique, sur sa gueule. Si j'ai autant galéré pour lui, mon dieu le boss, je sais que je vais... Dans la bêta, j'étais mort quoi? 7-8 fois sur le premier boss? Enfin, vous le verrez de vous-même. Mes trois barres sont chargées, je vais garder précieusement cette attaque de ma rapière qui est censée annihiler les adversaires. Voilà, et on fait récupérer la durabilité de la lame. Vous avez un aiguise-lame dans le coude du bras robotique de Pinocchio. Il faudra donc constamment surveiller la durabilité de votre lame afin qu'elle ne soit pas émoussée et que vous fassiez plus du tout de dégâts ou même qu'elle... Une fois complètement explosé, ben, se brise en fait et vous avez plus la lame. Vous êtes obligé à nouveau de la réaiguiser. Voilà l'équivalent des feux de camp dans les Soul-like. C'est ici que votre vie va reprendre et que tous les adversaires environnants vont réapparaître. Vous pouvez à ce moment-là dépenser ce que vous appelez de l'ergot dans ce Lies of Pi, ou des pierres de sang, ou des pierres d'âme, tout dépend le Soul-like auquel vous avez joué, qui peut être converti en point de capacité. Je vais voir si je peux me donner un petit peu plus d'ergot. Ouais, 900 et quelques. On est bon, il me fallait 800. Voilà. Donc là, on est bon. Et je peux. Je voulais en fait surtout augmenter vigueur, vie. C'était le plus important pour la durabilité. Et bien sûr, augmenter la dexté pour que mon arme fasse beaucoup plus mal. Le jeu n'est pas du tout open world. Comme je vous ai dit, c'est un jeu de type couloir. On oublie l'open world comme le précédent Elden Ring de chez From Software. C'était l'un des premiers du genre. On l'a accueilli grandement. Un,
Game of the Year grandement mérité. Mais là, on revient back to basics avec une map, avec un level design, avec une certaine verticalité par moment. Qui est plutôt la bienvenue, mais en vrai, le level design est fantastique. J'aime beaucoup ces aspects très lugubres, type gothique, avec du néo-steam un petit peu, avec des rouages. Cet aspect steampunk, gothique, c'est vraiment... C'est un style qui correspond magnifiquement bien et cette adaptation de Pinocchio est grandiose. Néanmoins, point négatif, je pourrais dire l'absence assez conséquente de musique. Quand vous êtes dans cette map, vous ne pouvez qu'entendre le silence assourdissant d'une ville morte. Est-ce que ça booste l'immersion ? Personnellement, moi, ça me touche. Mais je sais qu'il y aura des aficionados des musiques dans les jeux qui vont crier au scandale parce qu'ils se sentiront un petit peu laissés sur le côté parce qu'ils ne seront pas accompagnés d'une certaine musicalité. Après, bien entendu, vous aurez quand même une musique plus qu'épique à chaque gros combat de boss. Mais en soi, oui, je dois reconnaître que on est plus souvent dans le silence que dans la musique. Comme ça au moins, je me suis mis... Le deuxième injecteur que je me suis mis sont ceux qui peuvent me rendre mes barres bleues sous la barre d'endurance. Donc dès que j'aurai utilisé ma grosse attaque et que plus aucune barre bleue ne sera en surbrillance, je pourrai en réactiver rapidement, même si elles augmentent d'elles-mêmes à chaque coup que vous donnez sur un adversaire. Bien sûr, une fois atteint au maximum, chaque coup est donc à perte au niveau de la progression de cette dite barre de capacité. C'est un PEGI 16, vous allez me dire peut-être que c'est un peu choquant, vu la violence des choses, mais non, ce sont des automates et le sang est matérialisé par de l'huile. Donc, malgré la violence, effusion de sang absente, le jeu bénéficie donc d'un PEGI 16, et non d'un 18, contrairement à un de ses collègues dans le monde vidéoludique qui sort à la même date, sur lequel il y aura également un test que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, qui est donc Mortal Kombat. Et là, on est sur un véritable PEGI 18, bien entendu. Fatality, et j'en passe. Vous savez sûrement de quoi il en retourne. Le backstab est toujours aussi plaisant. Surtout qu'ils prennent un tège. Alors, le chemin face au boss se trouve... ici, mais la porte est fermée. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on va accéder à un autre chemin. Le couloir A qui nous mène à la porte A pour accéder au boss n'étant pas accessible, prenons donc le couloir B pour aller vers un chemin qui peut s'amener vers un chemin C pour un chemin bonus, ou continuons la fin jusqu'au chemin B qui nous reliera au couloir A de l'autre côté. Vous voyez, c'est très abstrait, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je deviens parano, faut regarder absolument partout pour ne pas se faire péter la gueule. C'est strident et à la fois, ça a quand même un petit côté très très plaisant d'être sans cesse sur le qui-vive et se dire que la mort est à chaque coin de rue, quoi. La ville en soi est une arme. Une arme qui veut votre mort. Allez, donc lui c'est le tuto, hein. Là il y a Mario là-bas. Alors, certains ennemis vont vous faire ces attaques-là, ces attaques rouges. Elles sont imparables et inesquivables. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes obligé de faire une parade dite parfaite. Et la parade parfaite, ben, moi j'ai énormément de mal, comme vous pouvez le voir. Je pars beaucoup trop tôt en fait. Voilà. Donc là, j'ai utilisé mon attaque pendant qu'il avait le liseré blanc dessus pour le stun obligatoirement et lui donner un dernier coup ultime critique qui allait forcément lui enlever énormément de vie. Si c'est un boss, ça va sûrement pas le tuer, mais c'est un très bon moyen de passer de la P1 à la P2.
Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais la plupart des boss, même la totalité, passent d'une phase 1 à une phase 2. Arrivé à un certain quota de vie entamé, le boss change complètement de gameplay et de pattern. Le pattern est à nouveau à étudier, donc c'est-à-dire les mécaniques, quand est-ce qu'il frappe, à quelle distance, que va-t-il faire comme animation quand vous vous situez plutôt à sa droite, plutôt à sa gauche, plutôt derrière, plutôt devant. À quel moment il faudra donc parer, va-t-il vous attaquer une, deux, à trois fois? Oui, voilà, tout ça est à mettre en évidence et en adéquation avec votre analyse de jeu, et c'est ça qui fait la force et la difficulté des Die and Retry. Ça me sera utile d'avoir une grenade thermite là pour enflammer mes adversaires. De toute façon, une fois qu'on sera devant le boss, je vais vous montrer tous les objets consommables. Cette partie me sert uniquement qu'à vous montrer le jeu dans son début. Je recommencerai pouvoir le continuer avec ma communauté en stream sur Twitch. Le personnage de Pinocchio, on dirait un mix entre Timothée Chalamet et un gamin qui aurait pu jouer dans Les Choristes. En vrai, après, c'est un chara-design qui lui va magnifiquement bien. Je le trouve quand même très charismatique malgré son jeune visage et ses traits très 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 fins. Ouais, je me rappelle de ce moment. On arrive quasiment au bout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donc débloquer la porte qui était bloquée, qui nous fera donc le raccourci si on meurt une première fois face au boss. Et ça nous permettra d'éviter de nous retaper tout ce chemin que je suis en train de faire, mais avec que je découvre en votre compagnie. En soi, l'appréhension du jeu, c'est un peu bête et méchant. En fonction du chara-design de votre adversaire, vous savez qu'il va pas avoir les mêmes coups et les mêmes finitions que les autres ennemis qui veulent votre mort. Donc ça, au moins, c'est assez facile à détecter. Attendez, mais il y a une autre machine pour sauvegarder ici? Ça, c'est... Aïe. Ça, c'est le truc, le punch. Pour pouvoir s'entraîner à la parade. Mais c'est un peu traître en fait, parce que lui il tape toujours de façon saccadée et on sait pile poil quand est-ce qu'il faut arrêter au bout d'un moment, alors que le boss ne va pas nous donner ce genre de coup. Mais ça c'est différent de la bêta, parce qu'il n'y avait pas ce point de sauvegarde à cet endroit là. Donc au final, débloquer la porte, je sais pas trop à quoi ça m'a servi. Mis à part pour un retour en arrière plus rapide, pourquoi pas. Allez. On est dans la découverte, hein, donc je suis en train de voilà, de m'équiper tout ce qui peut être montré un peu en mode fanservice sur le système d'attaque et d'animation que vous pourrez voir. Par exemple, ce que j'ai acheté du coup, c'est, vous voyez, à son lime-lame qu'il a dans le coude, ben, si j'active avec celui bleu que je viens d'acheter, la lame deviendra électrique pendant un certain temps, et nous ferons donc des dégâts plus conséquents avec une addition de dégâts élémentaires en plus de dégâts physiques. Docteur Eggman, c'est Robotnik avec un balai à chiottes sur la tronche. Comme vous pouvez le voir, la musique, au moins, on l'entend. C'est très satisfaisant d'arriver à faire des parades vraiment parfaites. J'ai les 3 barres pour en profiter quand il passera de la P1 à la P2.
et vous allez voir l'immensité de dégâts qu'il va prendre dans la gueule. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je claque tout, hein. En P2, c'est un peu plus compliqué. La P2, j'ai pas eu souvent l'occasion de la rencontrer. La dernière fois dans la bêta, quand j'étais passé en P2, j'avais réussi à le terminer. Aïe aïe aïe. Ah, il est en train de me terminer, ouais. Je suis plus dans mon match là. Oh bordel, il a trop de vie par rapport à la mine. J'ai plus rien du tout. Ah, oh, c'est pas vrai. Bon, ce serait pas un die and retry si j'étais pas mort. Vous avez vu, j'ai à peu près bien tenu. Et au final, j'étais plus dans mon match sur la fin. Vous savez quoi? J'ai fait une erreur de débutant, j'ai regardé sa vie. Et je me suis senti en confiance en regardant sa vie. On va le refaire. C'est ma punition, sans plus aucun avantage, sans la bombe thermite, sans l'épée électrique vu que j'ai tout perdu. Je vais me les enlever parce que ça va me prendre de la place dans l'inventaire pour rien. Et on va essayer de se le taper, je vais pas regarder sa vie. Je vais essayer de me mettre pleinement dedans. Essayer de se concentrer un peu. Et de toute façon, après on s'arrêtera là, après ce premier boss. On aura fini le prologue. Ça va, la P1 ça va. Enfin, je dis ça va, j'ai raté ma première. Faut juste que je ferme ma gueule au moment où il tape en fait, parce que sinon je rate tout. C'est quand même horrible. Ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube où est-ce que j'arrive à garder le sérieux, que j'arrive à faire deux choses à la fois quand je peux vous parler ou autre. Quand c'est un die and retry, je suis obligé de rester et de me terrer dans le silence. Ça me frustre. Il a des coups. Tellement what the fuck en P2, c'est abusé. Oh là là là. On prend l'avantage maintenant quand même. Allez, voilà. Bon. On oublie la gaffe de tout à l'heure. Second try, ça va. Oh là là, bon bref, voilà, vous voyez à peu près un peu comment ça se passe. Mais en tout cas, déjà, si vous êtes hypé, ne serait-ce qu'avec ce qui sert un petit peu de prologue au jeu, vous allez me dire, ah bon, il y a un boss dans le prologue? Bah ouais. Quand c'est un die and retry type soul-like, ouais, effectivement, on vous met le paquet au tout début pour vous dire bienvenue dans un monde empli de difficultés. J'espère que tu as prévu un rein de rechange parce que du sel, va y en avoir. Non pas que je sois le genre, moi, de mec à me vénère dans les jeux vidéo. Ah oui, il va falloir mentir. Et Pinocchio, lui, peut mentir. Il y a un délire comme quoi, là, dans la ville de Krat, en fait, qu'il y a une règle, comme les lois sur la robotique, les marionnettes ne peuvent pas mentir. Voilà, je suis humain. Voilà. Les marionnettes ne peuvent pas mentir, c'est une des lois, et Pinocchio, lui, il peut.
très avantageux pour passer d'un point A à un point B. Et nous accédons donc à l'hôtel. Et on va donc s'arrêter là, en espérant que cette découverte de Lies of P vous aura bien plu. Disponible également sur PC. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao. On dirait la tour de la terreur de Walt Disney.